Nous sommes là pour présenter à notre ministre de tutelle le nouveau président de la conférence épiscopale, mon successeur, Monseigneur Bessy. Le nouveau président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire est l'évêque de Kathiola depuis 2004. Monseigneur Ignace Bessy dirige également la commission épiscopale de l'action catholique et de l'apostolat des laïcs en charge de la gestion du Fonds national catholique. Les échanges entre le ministre d'État Ahmed Bakayoko et la délégation de la conférence épiscopale ont porté également sur la collaboration entre l'Église catholique et l'État dans le respect de chaque institution, mais pour le bien de la nation. L'Église est au service de l'homme et vivant dans la société humaine, elle est donc au service de cette société. Et donc nous avons dit au ministre que nous sommes disponibles en tant qu'Église à accompagner notre pays dans la recherche de la paix pour que cette paix soit le terreau sur lequel le développement de notre pays se construit et se construira. Donc nous sommes totalement ouverts au dialogue et nous avons admiré le fait que le ministre, membre du gouvernement, soit aussi ouvert à ce dialogue. Ensemble, nous travaillons main dans la main pour conduire notre pays sur le chemin du développement.